à tous. Excusez-nous pour le retard. Un petit problème technique, mais on va démarrer tout de suite. Et je pense que c'est en lien avec notre thème, c'est que les transformations sont en cours et doivent être menées jusqu'au bout, y compris sur l'aspect technologique. Bienvenue à tous et merci de vous connecter ce matin pour cet événement Oliver Wyman, Transform Without Compromise. Nous avons choisi ce thème parce que nous pensons qu'après plus de 20 ans où on a utilisé le mot transformation un peu à tort et à travers, et où souvent les mots étaient bien supérieurs aux actes, la vitesse des changements qui se passent actuellement dans l'économie, dans la société, va nécessiter de mener des transformations encore plus radicales et donc sans compromis. Donc pour plancher sur ce sujet, on a la joie et l'honneur de recevoir trois invités de marque. Donc nous avons avec nous Christine Jacquelin, CEO de la banque Palatine, donc la banque qui est au service des ETI. Nous avons Stanislas de Bensman, CEO fondateur de Devoteam, entreprise de services numériques au service de la transformation digitale. Et Christopher Guérin, CEO de Nexence, le nouveau leader de l'électrification du futur. Donc merci à tous d'être avec nous. Je serai avec Marianne Debin, également jeune partenaire promu cette semaine chez Oliver Wyman, que nous félicitons. Et nous allons tout de suite démarrer le programme. Donc je vous précise que nous sommes depuis les locaux d'Oliver Wyman au 1 rue Euler, et que cet événement est donc en direct, comme vous avez pu le constater, et enregistré. Donc merci à tous nos participants que vous voyez sous la forme de logo sur la présentation ici, et vous voyez les visages dans le Zoom. L'agenda de cette matinée, nous allons commencer par une brève introduction où Marianne et moi-même allons vous présenter notre point de vue en fait sur les transformations du futur. Et ensuite, on va passer l'essentiel du temps à écouter et à échanger avec nos invités sur trois thèmes. Le premier, ce sont les leçons de la crise. Le deuxième, c'est comment mettre en œuvre des transformations dans un monde qui s'accélère. Et le troisième, c'est quels impacts sur le leadership sommes-nous ou devenons-nous devenir des managers différents pour construire et délivrer ces transformations. À la fin, nous aurons un espace d'échange avec vous, un Q&A. Donc, merci d'envoyer vos questions dans le chat dès à présent, si vous en avez, et tout au long de la discussion. Alors, pourquoi se poser la question des transformations ? Bah, pour une raison très simple, c'est que la crise a été un saut dans le futur, et Marianne va nous en parler. Le monde en 2030 sera très différent du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour nous, il sera structuré autour de six dimensions. Le monde en 2030 sera d'abord confronté à un choc démographique inédit, avec une décrue de la natalité qui va bouleverser notre économie, les relations géopolitiques et notre rapport à la société. Ensuite, la Chine aura consolidé son statut de superpuissance et aura entraîné et inspiré derrière elle l'émergence de puissances régionales. Nous serons aussi face à la fin du pétrole, la montée de l'électrification, des énergies renouvelables, et ceci aura un impact sur nos choix d'investissement, sur nos modes de consommation et sur les relations géopolitiques. Nous serons dans une ère hyper connectée, avec de grandes tendances qui vont converger sur la data, la 5G, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Et face à toutes ces disruptions, nous verrons émerger de nouveaux modes de gouvernance qui seront interconnectés, plus décentralisés, notamment avec le thème des écosystèmes qui va disrupter 75% des business models. Et face à tout ça, on aura une nouvelle génération de consommateurs qui auront à cœur un mode de consommation plus responsable, ce qui va structurer durablement notre rapport à la société et au travail. À ce stade, il nous semble intéressant de regarder de plus près quatre tendances. La première, bien sûr, notre monde sera plus électrifié, les énergies renouvelables seront plus importantes, et là-dessus, je pense que Christopher, vous nous en direz un peu plus. La deuxième, l'économie sera drivée par la data, par le digital, et le cloud en sera la colonne vertébrale.
Là-dessus, Stanislas, vous nous en direz un peu plus également. Et la troisième tendance, c'est la tendance des disrupteurs digitaux. Alors, c'est pas nouveau, ça a commencé dans les transports avec Uber et ça continue avec la nouvelle génération des banques. Et là-dessus, Christine, vous nous direz comment cette génération de banques va impacter aussi la transformation des banques, entre guillemets, plus traditionnelles. La quatrième tendance, elle est transversale. C'est la question du modèle social. La crise a challengé durablement notre mode de travail et pose de nombreuses questions à nos trois intervenants aujourd'hui et à toutes les personnes qui sont connectées par téléphone. Intéressons-nous maintenant aux leçons tirées de la crise du Covid. On parle souvent d'une reprise en forme de K. Donc, l'image véhiculée, c'est qu'il y a une trajectoire de plus en plus divergente entre les gagnants et les perdants. C'est vrai au sein de l'économie entre les pays, avec des pays qui ont été plus ou moins impactés par la crise. C'est vrai entre les secteurs, avec des secteurs qui sortent plus ou moins gagnants de la crise du Covid. Et c'est vrai aussi au sein de secteurs, comme c'est le cas des deux illustrations sur ce slide. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi le gap se creuse entre les gagnants et les perdants. Et cette analyse montre que la crise a gagné un premium aux entreprises qui ont deux dimensions. La première, c'est un business model qu'on a appelé Future Ready, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des changements de portefeuille avant la crise, ce qui les positionnait bien pour capturer les opportunités accélérées par la crise. C'est le cas ici de Netflix par rapport à Comcast dans le secteur des streamings. C'est pas une surprise. Bien sûr, Netflix était déjà positionné sur le streaming alors que Comcast a lancé son service de streaming Peacock au cœur de la crise en avril 2020. Et la deuxième dimension, c'est que la crise a donné un premium aux entreprises qui avaient un modèle opérationnel agile. Et là, c'est l'exemple de Nestlé par rapport à Danone. Nestlé a une réaction plus rapide et plus locale face à la crise. Et d'ailleurs, Nestlé illustre aussi très bien la première dimension, puisqu'avant la crise, elle avait désinvesti de zones qui étaient à faible croissance, comme l'eau pour Nestlé, et avait investi, à contrario, dans des zones à plus forte croissance, comme la pet food ou l'alimentation nutritionnelle. Alors, comment nos invités ont réagi ou ont vécu cette crise face à ces deux impératifs? Alors, on voit que Devoteam, qui avait investi très fortement le digital et le cloud depuis plusieurs années, a bénéficié de ce repositionnement pendant la crise. Alors que le marché baissait de 8%, Team a été quasiment stable et la profitabilité de l'entreprise a été largement préservée. Même constat pour Nexans, qui avait lancé un vaste programme de transformation dès 2019, qui a su, grâce à cet effort, amortir une grande partie des effets de la crise, à la fois en revenus et en profitabilité, mais aussi a donné beaucoup de lisibilité et de confiance au marché. Et donc, vous voyez que le cours de bourse a très bien résisté parce que l'histoire était claire. Pour Banque Palatine, la crise a agi comme un catalyseur, comme un accélérateur. Christine nous en parlera de manière plus détaillée tout à l'heure, pour aller plus loin, plus fort dans la transformation du modèle de la banque. Alors, pour conclure cette section introductrice, ce qu'on voulait poser, c'est finalement, qu'est-ce que ça change pour les entreprises en termes de modèle de transformation? Notre vision, c'est que les entreprises doivent conjuguer trois éléments pour être au rendez-vous des transformations dont Marianne parlait auparavant. Un, l'adaptation de leur business model aux tendances du futur et s'y préparer proactivement. L'adaptation de l'operating model, notamment dans la capacité des entreprises à décider et à agir plus rapidement. Et le troisième, qui est souvent le parent pauvre des transformations, qui est l'imagination, la réinvention de modèles sociaux différents, plus attractifs et qui donnent plus de sens. Donc c'est sur ces trois briques et sur les questions dont on a parlé auparavant que nous allons vous interroger ce matin. Merci Hugues. Première question, elle est relative, donc la première thématique qu'on va discuter ensemble, elle est relative aux leçons tirées de la crise du Covid. Donc Christopher, on l'a vu, Nexans s'est plutôt bien tiré de la crise, mais j'imagine que vous en tirez quand même certaines leçons.
Oui, bah en effet, c'est un moment assez douloureux pour le monde. Les premières leçons qu'on en tire, c'est que vous savez, pendant des années, on avait fait d'ailleurs ce travail avec Oliver Wyman, on parlait d'analyse des méga-trends. On sait que les tendances de monde sont en pleine révolution, il se passe beaucoup de choses, et c'est important d'avoir un peu la vision du monde à 10 ans. La première leçon, c'est qu'il y a les méga-trends, mais il y a les méga-risques aussi. Et qu'on est... On est au début d'un siècle très compliqué qu'il va falloir aborder avec beaucoup d'anticipation. Et que ce soit des crises sanitaires, que ce soit des crises technologiques à travers des cyberattaques ou des crises de manque de matières premières. Nexence en est très très bien tiré. Alors justement, grâce à cette anticipation, on était... Moi, en janvier 2020, au tout démarrage du Covid-19, j'étais en Chine. On était parmi les premières sociétés à commander des masques dans le même mois. On a mis des protocoles. On est une société industrielle, donc les protocoles de sécurité, ça, on connaît bien. On les a mis en place en février. Au départ, on parlait de petites grippettes, donc on avait un peu de mal à motiver les gens, mais surtout, qu'est-ce qui... on le voyait dans l'évolution du cours de bourse, mais c'est un baromètre de confiance plus qu'autre chose. On a fait quelque chose que peu de sociétés ont fait, c'est qu'on, dans l'anticipation, on a fait des analyses statistiques de la pandémie de 1968, qu'on a couplé avec la crise financière de 2008, juste pour voir le niveau de résilience de nos activités. Et ce qu'on a découvert, et je trouve qu'il y a beaucoup d'experts qui sont passés à la télé qui auraient dû faire cet exercice, on a découvert que la pandémie de 1968, d'un point de vue purement statistique, a démontré qu'il y avait eu 4 vagues successives avec un temps de distance entre chaque vague de 5 mois, de 20 semaines. Et donc on a pris, nous, dans notre modèle financier et gestion de cash, on a implémenté ce risque-là dans le modèle. Donc on s'est dit, voilà, vague de contamination numéro 1, mars 2020, vague numéro 2, octobre 2020, mars 2021, octobre 2021, et puis on verra s'il y a un vaccin et une immunité collective. On était en roadshow au mois de mars, donc juste après, roadshow virtuel bien sûr, juste après le discours mémorable du président Macron, et on a présenté ce modèle au marché financier qui, à l'époque, disait « non, vous inquiétez pas, c'est juste un mois, deux mois, ça, le marché va revenir ». Et on l'a expliqué à nos 500 managers du groupe en disant « Préparez-vous à une crise longue, c'est une crise sanitaire qui va engendrer une crise de revenus va engendrer une crise de marge, une crise de marge va engendrer une crise de cash, et s'il y a une crise de cash, ça va engendrer une crise sociale. » Donc on a anticipé les problématiques de matières premières, on a anticipé les problématiques de cash, et on n'est jamais sorti aussi fort qu'en 2020. Oui. Christine, vous nous avez dit en préparant que la crise a été un test de résistance. Est-ce que ça a été un test de résistance positif ? Bonjour. Alors effectivement, on a eu un choc, nous aussi, en mars 2020, d'autant que Palatine, j'étais arrivée quelques semaines auparavant à la direction de Palatine avec un objectif qui était de réaliser une transformation informatique d'envergure, puisque la banque avait un système d'information qui était devenu totalement obsolète. Et à l'occasion de mon arrivée fin 2019, j'avais pris une décision qui a été lourde de conséquences après, qui a été, puisqu'on devait changer totalement notre système d'information, notre core banking, il fallait aussi changer l'ensemble de nos postes de travail. Et là, j'avais pris la décision de doter toute l'entreprise, à la fin de l'année 2020, à la fin de l'année 2019, début 2020, de micro-ordinateurs portables. Donc vous me voyez arriver quand on doit partir tous en télétravail et en confinement. Donc comme quoi cette décision qui était pour moi drivée par le fait que l'entreprise devait se moderniser très vite d'un point de vue technologique, nous a permis d'aborder la crise, je dirais déjà d'un point de vue technique, organisationnel, logistique, peut-être plus simplement que d'autres banques. Mais ce qui a été très intéressant, dès quasiment la première semaine de confinement, Palatine, c'est d'abord et avant tout, pour 85% de son business, on finance les entreprises, les PME, les ETI en France. Et il y a eu une formidable mobilisation de l'entreprise pour aider nos clients entreprises. Et ce qui a été, moi je trouve, une très grande fierté, c'est que chez Palatine, mais dans d'autres banques aussi, on a retrouvé notre raison d'être. Et notre raison d'être, eh bien, c'est de distribuer du crédit. C'est de financer les activités réelles et d'être au plus près de nos clients. Et là, on a, j'allais dire, tout le corps social
à retrouver la fierté d'être banquier, fierté qui avait largement été écornée par la crise des années 2008-2009. Et ça, je voudrais le souligner parce que ça a été la grande force des banques tradies. Parce que j'ai pas beaucoup vu les néobanques pendant la première crise sanitaire, même aujourd'hui. Et donc c'est important parce que on a vraiment retrouvé ce qui est le cœur de notre métier. Et la deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que on a changé de paradigme. Dans la banque, vous savez, on a des systèmes de décision de crédit très lourds, avec des systèmes de délégation ou autre, parce qu'il faut maîtriser le risque. Là, les pouvoirs publics nous ont dit, vous devez être là pour distribuer les prêts garantis par l'État, pour soutenir toutes les entreprises. Eh bien, chez Palatine, on a pris une décision, c'est que le réseau, les commerciaux, ils avaient le droit de distribuer le crédit, mais ils n'avaient plus le droit de le refuser. C'est-à-dire que ça, les dossiers qu'ils ne voulaient pas faire remontaient. C'est-à-dire qu'on a totalement inversé la façon de distribuer notre crédit, c'est-à-dire qu'on a fait confiance à nos commerciaux, à nos agences, à ceux qui étaient en lien avec les clients pour distribuer ces fameux prêts garantis par l'État. Et je pense que ça a beaucoup aidé à la cohésion de notre banque, alors même qu'on n'était plus du tout dans les bureaux. Et Stanislas, vous nous avez dit avoir traversé cette crise de manière très différente des autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ben, effectivement, pour notre secteur et pour beaucoup de secteurs, la crise a commencé de façon extrêmement brutale et comme un événement extraordinaire. Finalement, grâce au digital, l'économie ne s'est pas arrêtée. On imagine la même pandémie avec une économie qui s'arrête totalement sans le digital, les conséquences auraient été absolument dramatiques. Donc je pense qu'il y a deux éléments qui ont vraiment changé le visage de cette crise. Ça a été justement cette capacité à continuer à travailler tout en limitant les interactions physiques et donc en stoppant la diffusion du virus. Et la deuxième chose, ça a été effectivement la bonne réaction des banques soutenues par les gouvernements, qui a fait que il y a eu un soutien général, une solidarité des pays avec leur économie qui a évité l'effondrement d'entreprises saines qui aurait probablement disparu avec un impact économique majeur. Donc cette crise, elle a été extrêmement différente. On a tous commencé stupéfaits en mode de se mettre en service minimum, s'occuper de son cash et finalement essayer de vraiment mettre en mode survie l'entreprise et les salariés. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que c'était pas l'effondrement qu'on avait pu craindre au début. Et voilà, on a passé une crise, en tous les cas pour ce qui concerne Devoteam, qui a été évidemment sévère par rapport à une année normale, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'on a pu craindre au début, et surtout à la hauteur de ce que ça aurait pu être sans le digital, sans la capacité de travailler comme on est en train de le faire. Et vous l'avez dit, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que ça a accéléré de 5 à 10 ans l'usage du digital. Ça a forcé des populations à sortir de zones finalement de non-digital. Et ces populations-là, elles ont été obligées de s'y mettre, elles l'ont utilisé, elles se sont appropriées, et on ne reviendra pas en arrière par rapport à cette époque-là. Donc c'est une accélération, mais c'est aussi une génération qui a sauté dans un nouveau monde plus ou moins bien, plus ou moins efficacement. Il n'empêche que tous les verrous ont sauté. Hein, les syndicats bloqués, les populations psychologiquement n'étaient pas prêtes. Il y avait une courbe d'apprentissage qui était très longue. Tout ça, ça a été balayé devant la nécessité. Et c'est vrai que cette crise, elle a été totalement stupéfiante. Et puis, petit à petit, on en a pris la mesure. Et je rebondis sur ce point du digital. On sait que toutes les entreprises ont été forcées d'aller vers plus de télétravail.
Quelles leçons vous en tirez tous les trois sur peut-être des nouveaux modes d'organisation des entreprises et plus généralement sur la gestion des talents? Qui d'entre vous Je pense qu'en effet, c'est le parent pauvre, hein, tout la refonte du modèle social, parce que quand vous regardez les sociétés d'aujourd'hui, en tout cas certainement pas dans le cas de Stanislas, mais dans le cas des sociétés industrielles, on est encore sur des pyramides très tayloristiques, et puis des organisations par fonction qui émanent de Weber de 1970. Donc en fait, on est quand même sur des modèles très très anciens. Je pense que les sociétés industrielles, comme sociétés comme Nexans, on doit apprendre de ce qui s'est passé, notamment dans le monde de l'informatique, où ils ont repensé un peu la gestion des talents et puis la gestion des processus pour des organisations beaucoup plus aplaties. Donc ça va être le gros enjeu des entreprises industrielles partout dans le monde. Repenser plus des rôles que des fonctions, repenser plus des missions que des objectifs, travailler le collectif, ça va être fondamental. Dans tous les cas, pour attirer la jeune génération, l'entreprise de demain, elle n'est pas comme l'entreprise d'hier. On a beaucoup à faire. Et quand on a établi, c'est ce que je fais passer comme message en interne, c'est pas parce qu'on vient d'établir une raison d'être et des valeurs qu'on s'arrête. C'est justement le début d'un très long voyage. Et repenser le modèle social est fondamental. Alors c'est vrai que le télétravail, en tout cas dans la banque, va s'installer. Et la crise l'a très nettement accéléré. Ça a été aussi pour nous un vrai test grandeur nature. Et on a pu voir qu'il y avait des métiers qu'on pouvait très bien, qui fonctionnaient très bien en télétravail, mais on a vu aussi que d'autres métiers ne fonctionnaient pas en télétravail. Et il y a aussi une chose qui m'a interpellée, c'est qu'on a aussi découvert qu'on a des gens qui ne sont pas capables de travailler en télétravail, qui ne se sentent pas bien, pour des raisons parfois personnelles ou qui tiennent à leur logement, et que le modèle de télétravail ne doit pas devenir non plus un modèle contraint et imposé. Et le dernier sujet, et là je rejoins tout à fait ce que dit Christopher, c'est le sujet qu'on va avoir à traiter dans ce contexte où on va vers un travail plutôt hybride, à la fois du télétravail et du présentiel, c'est comment on va continuer à pouvoir donner du sens, parce que nos équipes demandent de plus en plus de sens, et les jeunes générations, si on veut les garder, si on veut les attirer, veulent du sens dans leur entreprise. Et donc c'est comment on crée du sens et du collectif, parce que il faut pas non plus que télétravail rime avec solitude. Et donc, on a des nouvelles manières de manager, des nouvelles manières d'organisation à mettre en place. Les quasiment 2 ans qu'on vient de vivre nous ont quand même donné l'occasion de tester plein de choses. Et il y a une chose, en tout cas, qui pour moi est importante, c'est qu'il va falloir accepter, en tout cas dans les banques, de donner peut-être beaucoup plus de délégations à nos managers de proximité pour organiser les travaux avec leurs équipes de la manière la plus efficace et en répondant aussi, parce qu'on est quand même au service de clients, du mieux possible aux besoins de nos clients. Et donc c'est de redonner de la délégation en proximité et notamment vers nos équipes commerciales qui sont en lien avec nos clients. Vous voulez... Moi, je pense qu'en fait... On l'a dit, la crise sanitaire qu'on a vécue est un accélérateur de tendance. La tendance de fond, elle est un développement d'une société de plus en plus individualisée. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous d'accord pour dire que c'est la primauté, c'est l'individu. À partir de là, quand ce modèle-là s'impose, il a pris des décennies pour aller à la maturité qu'on a aujourd'hui. Les entreprises doivent en tirer les conséquences parce que, bien sûr, c'est les jeunes qui sont certainement nativement dans cette psychologie-là, mais leurs grands frères, tout le monde avance dans cette direction. Donc, ça veut dire qu'en fait, de façon pragmatique, on va devoir s'adapter, nous, les entreprises, à cette évolution sociologique, psychologique. Et ça ne sert à rien de chercher à l'éviter. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise s'en saisisse
pour mieux servir ses clients et pour être plus efficace, pour créer plus de richesses, pour se développer. Voilà. Alors là, on parle beaucoup de sens. Il faudrait toujours définir ce que c'est que le sens, hein, parce qu'en fait, on ne dit pas ce qu'on veut dire derrière. Les gens veulent du sens, mais enfin, quand on analyse précisément pourquoi ils travaillent dans une entreprise, etc. Il y a beaucoup de critères. Donc, moi, je suis d'accord. Hein, le fait que on soit de plus en plus tourné vers l'individu, ou que l'individu est de plus en plus attaché à ce qu'il perçoit lui de ce qu'il veut pour lui-même, que c'est moins le collectif et c'est plus lui-même, ça entraîne énormément de choses par rapport à ses attentes, et il faut bien les décrypter pour être attractif, pour garder nos collaborateurs, etc. Et les rendre efficaces, les rendre engagés. Parce que finalement, on voit que le grand sujet, c'est comment les salariés sont engagés. Ils peuvent être là, ils en ont besoin pour vivre, mais comment ils sont engagés, comment ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à l'entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment un très grand sujet par rapport à cette nouvelle psychologie. Donc, il ne faut pas s'y opposer, il faut s'engager dans cette transformation. C'est le job des entreprises d'être efficaces du point de vue-là. Et ça veut dire qu'effectivement, vous le disiez il y a un instant, la primauté individu veut dire qu'en fait, la hiérarchie a vraiment sa place, même si évidemment on peut pas fonctionner sans processus, et on peut pas fonctionner sans courroie de transmission et sans cohésion, sans cohérence par rapport à l'objectif d'entreprise. Donc ça va être un grand sujet de transformation des entreprises, c'est comment on supprime les hiérarchies, comment on fonctionne de façon plate en équipe, en ce qu'on appelle le web 3.0, hein, c'est-à-dire vraiment une nouvelle façon totalement décentralisée de travailler. Ça va être un très grand sujet et un challenge, hein, pour rester efficace. Merci à tous les trois pour avoir évoqué vos leçons de la crise. Maintenant, on va se tourner un petit peu plus vers demain, même si on a commencé à le faire. Et on voudrait vous entendre plutôt sur... Face aux mutations qu'on a décrites rapidement au début, à votre avis, qu'est-ce que ça change finalement dans la manière de conduire, définir des transformations dans les années à venir? Alors peut-être pour continuer avec Stanislas, vous avez mené plusieurs transformations de grande ampleur déjà chez Devoteam, qui ont poussé l'entreprise à se poser des questions assez fondamentales. À votre avis, dans les années futures, qu'est-ce que vont être les ingrédients qui vont faire que les transformations vont marcher, et qu'est-ce qu'il va falloir mettre ensemble pour que, au rendez-vous de ce qu'on vient de décrire? Alors, il me semble qu'il y a le premier élément intéressant, c'est de dire que en fait, c'est tout de suite. L'avenir, c'est tout de suite. Hein, c'est-à-dire que je crois qu'en fait, là où il faut qu'on soit attentif, c'est que on réfléchit à 2030, mais en fait, dans la transformation qu'on doit réaliser chaque entreprise par rapport à ses challenges, par rapport à son environnement, ses évolutions, c'est compliqué de se dire qu'en fait, c'est maintenant. Et donc, il y a un sentiment d'urgence à installer dans la transformation qui est pas évident. On en revient au sujet de quel est le niveau d'engagement des salariés, de compréhension des objectifs, d'alignement de tous les efforts. Ça, c'est vraiment très essentiel. Donc, on a la nécessité de lancer des transformations qui vont permettre l'adhésion, ou qui vont s'appuyer sur l'adhésion des collaborateurs, du management, de toute l'entreprise. Donc, il faut être en résonance avec ses salariés, d'où la nécessité d'être réellement en adéquation avec ce qui se passe dans le marché, avec ce que les salariés comprennent, et comment ils peuvent adhérer à cette transformation. Parce que la transformation, c'est toujours délicat, c'est toujours un choc pour les équipes, et donc comment on fait pour qu'elle s'approprie la transformation. La deuxième chose, c'est, donc je disais, c'est maintenant, hein, l'avenir c'est tout de suite, c'est maintenant, donc ce sentiment d'urgence. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que ça soit pas marginal, et donc comment on fait une transformation au cœur, comment on peut réaliser une transformation qui soit qui ne s'arrête pas aux baronnies, qui ne s'arrête pas aux vieilles habitudes. Je crois que c'est vraiment la capacité de l'entreprise à leverager toutes ses forces pour se transformer réellement et pas s'arrêter à la surface, qui est quand même
très souvent la réalité. Merci Stanislas. Christine, vous êtes au cœur d'une transformation chez Banque Palatine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les défis que vous êtes en train d'affronter ? Alors déjà, on a profité de l'année 2020 pour changer entièrement notre core banking system. Donc, ce qui a été une opération d'envergure majeure, un investissement de 100 millions d'euros. Et on l'a fait en mode télétravail, ce qu'on n'avait jamais fait, puisque au sein du groupe BPCE, c'est ma quatrième opération de transformation informatique. Je suis un peu une habituée de ces sujets-là. C'est la première fois que je l'ai fait en télétravail. Et c'est l'opération qui a été le mieux menée. C'est intéressant quand on se projette. Donc la première phase de transformation de Palatine était déjà inscrite avant la pandémie. C'était basculer sur un système d'information plus moderne. Et là, et avec l'appui des équipes d'Oliver Wyman, nous avons travaillé au premier semestre 2021 à définir notre feuille de route stratégique avec notre actionnaire BPCE pour engager une transformation qui va toucher au modèle de distribution, puisque nous allons travailler de manière importante le reprofilage de toutes nos agences, avec la décision qui a été prise de rapprocher la totalité de nos métiers, entreprises et gestion privée, alors qu'on avait un modèle extrêmement hétérogène sur ce sujet, de refocaliser Banque Palatine sur le monde de l'entreprise, des dirigeants et de la gestion de fortune, ce qui veut dire qu'on fait des choix d'abandon de certaines activités, clairement, parce que par moment, diriger, c'est aussi renoncer. Et dans ce contexte-là, on est aussi en train de travailler avec des équipes spécialisées pour digitaliser certaines de nos activités. Notamment, on est un des leaders bancaires sur les administrateurs de biens. Et donc, on est en train de digitaliser profondément cette activité, puisqu'on a à peu près 25% du marché en France. Et donc, nous avons besoin de renforcer cette posture. Et le dernier sujet, c'est un sujet de transformation sociale et RH. Et donc, nous sommes en train de profondément modifier les métiers dans le réseau pour faire en sorte que la quasi-totalité des personnes qui sont dans le réseau soient des personnes en relation avec les clients, en charge de portefeuille, et de basculer tout ce qui touche l'administratif, soit en digital, soit dans les services de back-office. Et donc on est en train de, après avoir fait la migration informatique, on est en train de faire les informations consultation sociale, puisque on est dans un pays où tout passe aussi par la négociation sociale, pour que dès 2022, on ait enclenché et mis en place, j'espère avant mi-2023, un nouveau réseau et tous les nouveaux métiers en lien avec les clients. Merci Christine. Christopher, vous avez annoncé que vous vouliez faire de Nexans un pur player de l'électrification. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, un, qu'est-ce que ça veut dire, et deux, qu'est-ce que ça implique pour votre entreprise en termes de transformation ? Oui, ben je vais parler à la fois de sens et de transformation. Nous, notre motto, c'est simplifier pour amplifier. Et en fait, Nexans a une chance formidable, c'est que une société industrielle qui est née en 1872, supportée par Edison, Tesla, Westinghouse, Benjamin Franklin, ces pionniers de l'électricité qui avaient besoin de câbles pour conduire l'électricité. Et quand vous regardez, en fait, on est revenu avec des historiens, on est revenu un peu sur l'histoire de Nexans et depuis 1872 et le parcours du groupe, alors qui s'appelait pas Nexans à l'époque, et on s'aperçoit que pendant les 80 premières années de notre existence, de nos usines, nous étions portés par le métier d'électrification. Et c'est uniquement dans les années 90 et dans les années 2000 qu'on a commencé à acheter des activités dans le domaine de l'automobile, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'industrie, qui sont venus se joindre au groupe Nexans. Et en fait, on a fait une vraie analyse de nos racines et comme nous sommes au début d'une révolution électrique monumentale, nous avons annoncé en février 2021 que nous allons quitter le mode généraliste multisecteur. Nous couvrons 34 sous-secteurs d'activité pour nous recentrer justement ce qui est fait part de nos racines sur l'électrification.
Alors déjà pour une question de simplification, parce que quand on parlait de méga tendance, de méga risque, simplifier nos modèles de gestion vont être ça va être un levier fondamental pour amplifier notre impact. Et à travers notre raison d'être qui est électrifier le futur, on a une chance formidable, c'est qu'on est au début d'une révolution électrique qui va avoir la même ampleur que ce qui s'est passé à l'après-guerre entre 1950 et 1970. En 1950 et 1970, nous avons créé la génération d'électricité d'aujourd'hui, que ce soit à travers les centrales nucléaires, mais essentiellement avec le pétrole, hein, puisque aujourd'hui le monde est à 80% dépendant du pétrole. Donc la génération d'électricité a été pensée entre 50 et 70. Et vous avez bien sûr tous les réseaux électriques et télécoms aussi qui ont démarré entre 50 et 80. Quand vous regardez un petit peu les réseaux actuels qui ont entre 30 et 50 ans d'âge, en fait, toutes les nations lancent un programme majeur de modernisation et de renforcement de leur réseau électrique, comme on l'a vu sur le télécom. D'ailleurs, on voit très très bien ce qui s'est passé dans le télécom. On a remplacé les vieux câbles cuivre par des fibres optiques, et c'est pour ça qu'on est actuellement connecté avec centaines de personnes en live grâce à ce qui a été fait sur le métier du télécom. Ben, c'est la même chose sur l'électrique. Sauf que cette révolution, elle est devant nous. Une nouvelle génération d'électricité qui se veut renouvelable, donc une explosion de demande sur les énergies renouvelables, et également des réseaux électriques qui vont être renouvelés à travers le monde. Donc Nexans va devenir un pure player de l'électrification, porté par 20 ans d'investissement majeur à travers le monde, et cette simplification sur basculer sur 34 sous-secteurs sur 8, aussi va nous aider à amplifier le sens au sein de l'entreprise par rapport à cette grande mutation du monde. Merci beaucoup. Une question de relance peut-être pour vous trois, c'est est-ce que vous pensez que cette nouvelle ère change votre manière d'appréhender le risque? Vous en avez déjà parlé, Christopher, mais est-ce que concrètement, vous voyez dans la manière de prévoir une nouvelle manière d'appréhender le risque dans vos manières de gérer vos entreprises respectives? Peut-être Christine, si vous avez un point là-dessus. Oui, parce que en 2020, on s'attendait à une catastrophe, en tout cas dans les banques, au niveau des entreprises. Et en fait, l'année 2020, et je pense que les deux chefs d'entreprise qui sont là témoigneront, l'année 2020 a été moins pire que ce qu'on attendait. Aussi parce que, et il faut savoir aussi tirer un chapeau au pouvoir public de tous les pays qui ont mis tout en œuvre pour soutenir à peu près partout le tissu d'entreprise. Ça a été un mouvement assez extraordinaire qu'on n'avait probablement jamais connu. Et notamment lors de la crise financière de 2008-2009, où on sait que les pouvoirs publics avaient débranché trop vite un certain nombre de choses. Là, les pouvoirs publics ont tiré parti des crises antérieures et on a été pris à revers par justement ce soutien massif des pouvoirs publics à l'égard des entreprises. Et c'est une très bonne chose. Et du coup, nous, les banques, où on s'attendait à un vrai sujet de risque, on ne l'a pas eu. Donc l'année 2020, moins pire que ce qu'on attendait. L'année 2021, moi quand j'interroge mes clients, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est plutôt une belle année. Donc on va avoir de beaux bilans. Donc une belle année 2021. Alors, on pourrait se dire tout va pour le mieux, on a retrouvé quasiment le PIB d'avant la crise ou autre. Alors peut-être que je vais doucher certains enthousiasmes, mais moi, je vois, il y a des petits nuages quand même. Le prix des matières premières, les problèmes de la hausse du prix de l'électricité, les difficultés de recrutement, l'inflation. Les clients que je rencontre me disent, on risque d'avoir nos marges qui vont se réduire en 2022. Ça va être un peu plus compliqué. Les États qui ont énormément soutenu les tissus d'entreprise, bon, à un moment, le quoi qu'il en coûte commence à coûter très cher. Et donc, on sait qu'on va avoir un débranchement progressif des aides. Et donc, aujourd'hui, il faut gérer cette incertitude que on va pas revenir au monde d'avant, mais on va avoir des risques, on va avoir des entreprises en difficulté. Et notre, en tout cas en tant que banquier, c'est d'être là le plus tôt possible pour analyser ces situations et les accompagner au mieux. Après,
Moi, je vais dire, quand on gère une entreprise, qu'elle soit bancaire, industrielle ou de service, l'incertitude, c'est notre job. Ça fait 34 ans que je travaille dans la banque, j'ai dû connaître à peu près 4 crises. À chaque fois, on se repose les mêmes questions. Moi, j'allais dire, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de gérer l'incertitude, d'être réactif, agile, comme vous l'avez dit, madame, tout à l'heure. Et donc, c'est ça, moi, je dirais un peu le message que je voudrais porter. Oui, le monde, il change, mais il a toujours changé. Il changera toujours. Et les entreprises qui sont encore là, comme Nexans, par exemple, eh bien, c'est celles qui ont su s'adapter, prendre des virages stratégiques. Et donc, pour moi, pour le coup, ça ne change pas par rapport au monde d'avant, ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette notion de gestion des risques, d'anticipation des risques ? Certainement que y a un travail de fond qui est fait par la plupart des entreprises pour anticiper les risques auxquels elles font face, et il y a sans doute une meilleure préparation, et la préparation c'est indispensable. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est que avec vous, c'est qu'en fait il y a les problèmes qui nous arrivent, les chocs, les crises, elles sont jamais réellement anticipées ou très rarement et très peu anticipées. Et donc c'est toute la capacité de réaction qui est la plus importante. Et moi ce que j'ai appris des crises que j'ai vécues en tant que chef d'entreprise, c'est qu'il faut aller très très vite et très très fort dans ses réactions. Voilà, c'est ça la solution, c'est de pas attendre en disant ça va aller mieux. Bon, voilà, ben ça va rarement mieux si on attend et qu'on ne prend pas les décisions fortes et indispensables. Donc moi ce que j'ai appris des crises que j'ai vécues, hein, c'est je pense que tout le monde a le même type de vie professionnelle, c'est une analyse froide et derrière ça des réactions très fortes, très rapides, qui permettent ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire qui permettent d'être prêt pour le redémarrage. Voilà, ça, on se protège pendant le coup de vent et on est prêt pour repartir. Et si on n'a pas cette activité-là et si on ne se transforme pas dans des crises qui sont très brutales et très rapides, parce que la dimension de temps, moi je crois qu'on a toujours eu des crises, mais l'interconnexion générale fait que les crises se diffusent plus vite. Avant, on pouvait considérer que le pied qu'on avait en Asie protégeait de la crise en Europe, etc. C'est tout à fait terminé, ça. Les crises, elles traversent le monde en quelques jours, et donc elles se diffusent, et ça, c'est nouveau. Donc on peut pas avoir des zones de protection, ou pas forcément. Vu la rapidité de l'information et de la diffusion des chocs, donc la réponse ne va venir que d'anticipation à 10% et de bonnes saines réactions à 90%. Christopher. Oui, de mon côté, juste pour être complémentaire avec Christine Stanislas, c'est la réinvention des modèles, c'est surtout ça, parce que de ma perspective, pour moi, il n'y a pas de problématique de croissance. Il y a une problématique d'emballement, je pense, du monde. La croissance, ça va être là. Mais les paradoxes à piloter, c'est qu'il n'y aura pas assez de matières premières pour soutenir cette croissance. Moi, je le vois dans les infrastructures électriques. Le cuivre, la consommation du cuivre qui conduit l'électricité, en 1995, c'était 9 millions de tonnes. En 2020, c'est 20 millions de tonnes. Et les projections avec tout l'emballement de l'électrification dont on a besoin pour la réduction des CO2, c'est 35 millions de tonnes. Et aujourd'hui, les grandes sociétés minières de cuivre sont capables de fournir uniquement 20 millions de tonnes. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas assez de cuivre pour tout le monde. La croissance, ça sera là. Par contre, les matières premières ne seront pas au rendez-vous. Et puis, j'ai beaucoup de petites bagarres avec, en tant que société cotée en bourse, avec les analystes financiers qui me challengent systématiquement sur le taux de croissance jamais je ne donne un objectif, on donne un objectif sur nos résultats financiers et sur nos engagements ESG, mais jamais sur la croissance organique. Et on sera au rendez-vous de la profitabilité, mais de manière un petit peu différente. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que la croissance soit au détriment de nos engagements environnementaux. Et justement, la réinvention de modèle, il va être là, c'est remettre un peu une logique de triptyque entre la finance, l'environnement, et puis on parlait de modèle social avec Marianne, l'engagement. Et notons un peu plus, de manière plus holistique, la performance de l'entreprise
non pas uniquement dans une logique de croissance, mais dans une logique d'équilibre entre économique, environnement et engagement. Alors vous m'offrez la transition parfaite sur la prochaine question qui était justement, on sort de Glasgow, on parle de l'ESG partout. Comment vous voyez l'intégration sérieuse de la contrainte ESG dans les transformations ? On a pu constater dans des périodes précédentes qu'elle était parfois un peu superficielle en fait, c'est-à-dire qu'on affirmait des choses, mais fondamentalement c'était pas le cœur de ce que faisaient les entreprises. Elles faisaient des programmes de réorganisation, elles faisaient des programmes de réduction de coûts, elles faisaient des programmes de recentrage, mais finalement l'ESG c'était quelque chose d'assez, pour la plupart, il y a des nuances notables, c'était assez superficiel. Comment on met l'ESG au cœur, un des piliers comme vous venez de le dire, de ces transformations, pour que ça soit vraiment sérieux et porteur de sens pour les salariés, comme on en parlait tout à l'heure. Christine, peut-être si vous voulez réagir à ça. Si on veut changer le monde, il faut changer la manière dont on le finance. Donc c'est vrai que pour les banques, on va devoir s'engager dans cette démarche pour accompagner un sujet qui est un sujet de société, qui n'est pas qu'un sujet économique. C'est le monde de demain qu'on veut préserver, ce sont les générations futures qu'on veut, à qui on veut proposer un monde encore vivable. Et donc, clairement, les banques, alors on est poussé par nos régulateurs, notamment en France, la Banque de France est la première banque centrale à avoir publié des objectifs sur le sujet notamment de la transition climatique. Et donc la Banque Centrale Européenne, vous avez pu voir récemment, s'engage aussi de manière délibérée. Et donc on est en train de se mettre en route sur ce sujet. Je pense que c'est indispensable, mais je dis toujours que dans transition écologique et environnementale et sociale, il y a transition. C'est-à-dire que il faut favoriser les activités qui vont nous permettre de préparer le futur et d'améliorer le monde de demain. Mais attention, et notamment d'un point de vue social et de certaines activités, à ne pas débrancher tout de suite des activités qui sont considérées aujourd'hui comme non ESG, mais qui sont extrêmement pourvoyeuses d'emplois et d'activités. Et donc, il ne faut pas débrancher tout de suite ces financements. Il faut que nous aussi, dans la banque, on soit capable de financer en transition. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais il faut probablement aussi laisser du temps et il faut une forme de planification aussi sur ces sujets, de visibilité. Parce que quand vous dites que finalement l'ESG a pas vraiment pris, c'est aussi parce que on a eu un peu de stop and go avec beaucoup d'affichage et puis pas réellement de mise en œuvre. Là, on a le sentiment qu'on est parti. Mais de la même manière que tout à l'heure Christopher disait, dans les années 50, on a planifié l'électrification de notre pays ou des grands pays occidentaux, il faut planifier cette marche vers l'ESG. Il faut donner des jalons de manière à ce qu'on puisse s'organiser et reconvertir les activités qui ne sont pas ESG vers des activités ESG et accompagner aussi la transformation sociale. Parce que ce sujet-là est clé, parce que si on n'embarque pas dans les entreprises, faut embarquer nos collaborateurs, mais dans les sociétés, faut embarquer les populations. Et si on en faut embarquer les populations, faut les accompagner et faut aider à la reconversion, parce que sinon, on peut avoir des vrais sujets sociaux. Il y a d'autres réactions sur ce thème? Moi, je crois qu'on est dans un mouvement qui est assez normal. Il y a de l'immaturité, c'est un nouveau sujet qui est en train de monter en puissance. Donc, si on prend l'exemple des entreprises à qui on demande de plus en plus de travailler le sujet de leur impact, de leur sustainabilité, c'est normal que au début ça soit un sujet un peu de com, et puis petit à petit ça devient un sujet de plus en plus sérieux au fur et à mesure où tout le monde prend conscience de la nécessité de s'occuper de ça. Il y a un petit débat aujourd'hui sur le fait que on a beaucoup gaspillé, etc. Ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que en 1900 il y avait 1,5 milliard d'humains sur la Terre. En 1963, et maintenant on est à presque 8. Donc c'est le progrès
sur un certain nombre de sujets qui a fait que la population humaine est montée à cette vitesse-là. On a doublé tous les 60 ans et dans le même temps, on est passé de 90% de la population qui vivait sous le seuil de la grande pauvreté en 1900 et aujourd'hui à 90% de la population mondiale qui vit au-dessus de ce seuil. Donc les progrès qui ont été faits au cours des 100 dernières années sont extraordinaires. Et on a tendance à vraiment le passer sous silence. C'est un progrès de l'humanité qui a été extraordinaire. Maintenant, à 8 milliards, alors peut-être pas 8 milliards de consommateurs, mais disons qu'il y en a 5 ou 6 maintenant, on a un impact sur la planète qui est évidemment massif et qui doit être transformé. Et c'est sur quoi, je crois, il y a une prise de conscience générale. Il faut pas traîner. La technologie est là pour nous aider à solutionner les très grands enjeux qu'on a à relever. Mais moi, je suis entre guillemets impatient, mais je vois que petit à petit, ce sujet-là est pris de plus en plus sérieusement et non plus seulement comme un sujet de com. Ces dernières années, il y avait un côté un peu agaçant de voir tout le monde faire de la com et derrière pas grand-chose. Aujourd'hui, je crois vraiment que c'est un sujet qui devient très sérieux. On parlait de sens. Je crois que l'ensemble des entreprises souhaitent se transformer. Et puis la régulation arrive petit à petit et comme on a connu des régulations qui se sont imposées petit à petit, qui ont amené des éléments très positifs dans le développement des entreprises ces dernières décennies, on va connaître la même chose. Il y a une montée en puissance des règles dans les entreprises qui me paraît être la bonne direction. Oui, entièrement d'accord. Je vais juste ajouter un point. Je pense que il y a sans jeu de mots, il y a un changement de logiciel important au sein des entreprises. Et j'aime beaucoup ce que disent les Américains, c'est « People, managers do not work like you expect, but like you inspect ». Donc la mise en place de nouveaux indicateurs de performance qui tiennent compte de cette triple problématique d'engagement, d'économie et d'environnement est fondamentale. Chez Nexans, on a mis un système tous les trimestres de notation de nos unités où les plus vertueuses sur ces trois domaines ont un award. Donc on a le Hall of Fame, mais on a aussi le Hall of Shame, c'est-à-dire celles qui sont les moins vertueuses. Ce qui est intéressant, c'est que en fait tout ça n'est pas lié au business, mais uniquement à la qualité du management. C'est ce qu'on voit nous. En fait, nos unités qui sont les plus performantes en économie sont également très performantes sur les aspects environnementaux, et puis on a un niveau d'engagement très très élevé. Et à contrario, les activités qui sont plus en difficulté, mais elles sont en difficulté non pas uniquement sur la partie économique, mais également sur la partie environnementale et sur la partie de l'engagement, avec des taux d'absentéisme qui montent au plafond. Donc la logique des 3 E, nous on l'a fait, hein, on l'a mis en place pour éduquer nos managers, parce que tout ça c'est un sujet d'éducation. On a mis en place la license to operate, c'est-à-dire à partir du moment où vous critères environnementaux sont pas du tout au niveau, vous n'avez plus le droit de croître. C'est pour ça que je me bats avec les analystes, parce que je dis, on essaye de mettre des éléments vertueux. Et c'est le travail qu'on fait aussi avec Oliver Wyman actuellement, on travaille sur le quatrième E, qui est l'écosystème. Les écosystèmes, parce que comme il y a un changement de logiciel profond, comme disait Christine, les gouvernements vont planifier, ils ont un gros enjeu, les gouvernements ont un gros enjeu de planification, à moyen et à long terme, et les entreprises ont un véritable enjeu de mise en action. Et les écosystèmes sont là parce que je pense qu'une société, une entreprise en tant que telle, toute seule, ne fera pas une révolution. Par contre, de regroupement de sociétés dans des écosystèmes cohérents, que ce soit des écosystèmes sur le recyclage, sur la captation du CO2, sur le stockage de l'énergie, là, ensemble, on peut bâtir des nouvelles filières de demain qui vont résoudre des gros problèmes environnementaux. Merci beaucoup pour toutes ces réponses intéressantes. Pour conclure, la troisième thématique, elle est un petit peu différente. Ce qui nous intéresserait, c'est quel est l'impact de la crise sur votre mode de leadership ? Stanislas, question pas évidente. Est-ce que vous vous sentez un manager différent après la crise ? Oui, très différent. Parce que j'ai pris 1 an et demi, 2 ans hein, donc j'ai forcément vieilli. Plus sérieusement, non, je pense que l'accélération dont on a parlé sur
sur les modes de travail, la psychologie, etc. Cette accélération-là, ben, elle est apparue plus fort, plus vite que ce qu'on aurait pu avoir dans un mode normal. Et donc, effectivement, je le disais en introduction, je pense que cette montée de l'individualisme fait que le management doit quitter finalement un modèle hiérarchique pour rentrer sur un modèle plat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tous les managers, en tous les cas de dévotis, mais je crois que c'est un phénomène plus ou moins rapide selon les secteurs. Hein. Effectivement, je pense que dans le monde industriel, dans le monde de la banque, où vous avez des sujets de contrôle qui sont vraiment parmi les sujets les plus importants, on va retrouver des processus différents. Mais le fait de rentrer dans un univers où les entreprises doivent faire, autant que faire se peut, se mettre dans des modèles plats, avec très peu de hiérarchie, beaucoup plus du leadership positif, lead by the front, hein, avec des managers sur le terrain qui sont plus des porteurs d'énergie, de voilà. Mais alors, il faut rester pragmatique. Hein, moi, je suis pas du tout un rêveur. Je dis pas ça parce que je pense que ça va faire joli, etc. Non, c'est une réalité. Si vous voulez attirer et retenir des talents que vous voulez, qu'ils soient engagés, parce que vous pouvez avoir des salariés. Vous pouvez même avoir un très faible taux de turnover si les salariés sont confortables. Mais s'ils ne sont pas engagés, vous avez une très faible efficacité. Donc, en fait, c'est comment vous arrivez à avoir des salariés qui sont là, bon, c'est déjà pas mal parce qu'on a plein de métiers en tension qui sont engagés malgré le fait qu'ils soient moins ensemble sous la coupe d'un manager. Donc, ça veut dire qu'on doit injecter l'entreprise une nouvelle façon de stimuler l'énergie, de stimuler la volonté de développement, la volonté de bien travailler ensemble. Voilà, et je pense que ça, c'est un vrai changement. Ça demande de réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire comme processus, comme bureaucratie, et ce qui est souhaitable de prise de risque, de la liberté. Voilà. On a dit aussi, et c'est très fort dans le digital, on doit amener un meilleur service aux clients finaux. Et c'est une composante de la digitalisation, de ce qu'ont amené les natifs du digital, c'est qu'ils ont amené une expérience client incroyable entre ce que Amazon a proposé à ses clients et ce que la grande distribution proposait par le passé ou propose parfois encore. On voit une qualité de service aux consommateurs qui est majeure. Pour ça, vous avez besoin de gens au contact, donc vous avez besoin que vos salariés soient au contact des clients, très motivés pour amener ce service, cette qualité de service. Si vous ne déléguez pas, si vous n'injectez pas une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'avoir de l'espace pour les initiatives, vous ne pouvez pas arriver à ça. Donc, il y a un vrai changement, je pense, à amener dans le leadership des entreprises. Mmh. Et Christine, donc vous nous avez parlé pendant la première question du fait que la crise avait eu pour effet de remobiliser vos employés. Comment est-ce que vous arrivez à capitaliser là-dessus dans votre leadership et comment vous arrivez à pérenniser cela? En fait, on a gardé un certain nombre de nouvelles habitudes qu'on a prises pendant les confinements, notamment le COMEX où il y a les 40 managers importants de l'entreprise. Avant, on faisait une grande fête par trimestre. Ça servait surtout à faire un bon repas et finalement, ça durait une demi-journée, il se passait pas grand-chose. Là, finalement, on se fait une réunion une fois tous les mois. Ça dure 45 à 50 minutes. Et on passe les messages importants et dans les deux sens. C'est-à-dire que les nouveautés qui arrivent dans les semaines qui viennent. Et ensuite, obligatoirement, on y a ce qu'on appelle, nous, la voix du réseau, qui, pendant à peu près un tiers de la réunion, s'exprime, où c'est... On en est où du business et qu'est-ce qui nous remonte des clients, des équipes commerciales, qu'est-ce qui va pas. Et ça, on le garde parce que c'est effectivement, ça permet de donner une courroie de transmission très très rapide. Deuxième sujet, et là je rejoins sur ce que dit Stanislas. Moi, ça m'a, même si
depuis quasiment toute ma carrière, je suis plongée dans l'informatique bancaire. Là, ça fait une année où je me suis vraiment replongée de manière importante dans la banque de demain et le digital dans la banque. C'est pas parce que la banque tradit, on a été au rendez-vous de la crise sanitaire, on a su être, je pense, très proche de nos clients et soutenir nos clients. Pour autant, les néobanques offrent effectivement une qualité de service que on n'a pas forcément. Et je pense que dans la banque, on est à l'aune d'une nouvelle révolution informatique. Moi, je suis rentrée il y a 34 ans dans la banque. Ça fait un peu dinosaure, mais quand je suis rentrée, on était en train d'informatiser le poste de travail dans les agences. Alors pour ceux qui sont jeunes, vous êtes très jeunes, vous n'avez pas connu ça. Moi, je suis arrivée, mon premier job, je l'ai fait à la gomme au crayon et à la calculette. Peut-être pas connu ça. Et donc, et en fait, depuis une trentaine d'années, on a eu un certain nombre de révolutions informatiques dans la banque. Et là, on a une nouvelle révolution qui arrive, c'est celle avec l'arrivée du cloud, l'arrivée de nouvelles fonctionnalités et surtout une informatique qui n'est plus tournée sur l'entreprise et l'optimisation de son fonctionnement et de sa logistique, mais qui est tournée sur le service rendu au client, la fluidité aussi de service. Et ça, au moins la crise m'a obligée à aller, je suis retournée quasiment à l'école, je travaille activement pour me remettre à niveau sur tous ces sujets. Et dernier point, j'essaye de m'attacher de plus en plus à m'entourer de gens beaucoup plus jeunes. Parce que je me souviens quand j'étais jeune manageuse, où j'occupais, à 30 ans, j'ai à peu près occupé mon premier poste de comité de direction, et j'avais mon vieux patron à l'époque avec lequel j'étais pas d'accord et qui m'a dit un jour, bon, puis finalement faites ce que vous voulez, parce que c'est quand même vous les jeunes qui allez nous succéder et c'est vous qui ferez le monde de demain. Et donc mon job aujourd'hui aussi en tant que chef d'entreprise, c'est d'aller repérer les gens qui ont moins de 35 ans, parce que c'est eux qui vont nous succéder, il faut les écouter et il faut leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils nous construisent l'entreprise et la société de demain. Donc je me vois aussi plus comme un passage de témoin. Intéressant. Christopher, sur ce nouveau mode de leadership. Le leadership d'aujourd'hui et de demain, c'est un leadership authentique, c'est fondamental. Un leadership inspirant, parce que beaucoup de risques devant nous, donc il faut vraiment créer cette logique de sens. Et puis surtout apprenant, parce que je refais... je relis ce que j'ai dit avant, il y a un changement de logiciel, donc il faut réapprendre et apprendre. Hein. Tous les sachants qui veulent implémenter dans l'entreprise ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, ben non, les solutions d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui, donc on va peut-être réinventer le logiciel. Donc, et sur le côté authentique, oui, difficile d'appréhender le monde de demain. Alors moi, j'applique à moi-même ce que je devais appliquer aux autres après, mais déjà, je me challenge énormément régulièrement. Je fais des retraites avec des dirigeants. On est parti il y a quelques années avec Mathieu Ricard dans les Alpes suisses avec 10 dirigeants. L'objectif, le thème, c'était quel héritage allons-nous laisser à la société petite S et grand S. Plus récemment, juste avant le Covid, on est parti avec Cyril Dion sur le thème de l'environnement. On était 10 dirigeants. Alors Cyril, il dit, oh là là, c'est des dirigeants, ils vont me faire du greenwashing, il va falloir qu'on change le modèle, parce que moi, je passe pas 3 jours avec des dirigeants qui vont me faire du greenwashing. Et donc, Cyril, pour casser un peu le modèle, nous a demandé de venir avec un de nos enfants. Voilà. Et nos enfants ont été... moi, je suis parti avec ma fille, mais ma fille est partie, les enfants sont partis 2 jours avant nous. Et en fait, ce sont nos propres enfants qui nous ont challengés pendant 3 jours sur le thème de l'environnement, en disant, mais... Papa, maman, quelle planète vas-tu me laisser en 2030, en 2035 ? Voilà, parce qu'il y a un moment donné, il faut passer du mode de la pure communication à la conviction, et la conviction, il faut vous la forger, et donc pour retrouver de l'authenticité. Donc on travaille là-dessus au sein de Nexens. On va passer aux questions qui ont été envoyées sur le chat. N'hésitez pas à en envoyer d'autres. Hugues ? Alors, la première question qu'on a reçue, c'est un peu une question, une interpellation. C'est effectivement, vous le disiez, Christine, les résultats des entreprises cette année sont très bons, pour la plupart. Alors, il y a quelques exceptions, il y a quelques secteurs qui seront pas au rendez-vous,
notamment liés aux matières premières, mais donc les résultats sont très bons. Est-ce que c'est pas finalement un risque pour les entreprises? On parle d'intensifier les transformations, mais finalement de se dire que même pas mal, on n'a peut-être pas tant besoin que ça de se transformer. Est-ce que vous, quelqu'un veut réagir à cette question-là? Je crois qu'en fait, enfin, si les solutions d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui, c'est les mesures d'aujourd'hui qui vont permettre les résultats de demain. Donc, les résultats d'aujourd'hui, ils sont probablement le fait de ce qui a été bien géré pendant la crise, mais on sent bien que on reviendra pas en arrière, que énormément d'entreprises ont besoin d'être adaptées à cette transformation très très rapide et effectivement on peut le voir comme ça, c'est-à-dire que en fait tout concourt à ne pas pousser les entreprises qui vont bien à se transformer vite. Bien sûr, c'est un risque qui est tout à fait réel, mais je crois que en fait ça serait un très mauvais choix, parce que quand vous allez bien et que vous avez des moyens, vous pouvez transformer, vous pouvez investir dans votre transformation. Quand vous êtes dos au mur et que vous faites la transformation avec un minimum de moyens parce que vous les avez perdus, alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus douloureux. Donc, le bon chef d'entreprise, moi, je crois, c'est quelqu'un qui réfléchit en disant l'avenir, c'est tout de suite, et donc ma transformation, elle commence tout de suite, et parce que je vais bien, j'ai les moyens de la lancer, cette transformation. Moi, j'ajouterais que, pour être complémentaire, que je pense qu'on est au devant d'une période digne des Trente Glorieuses. Donc, je suis peut-être un éternel optimiste, mais je pense que la croissance sera là. Les problématiques, on n'a jamais eu autant de cash. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et il y a une vraie question de sens par rapport à tout ça. Bien sûr, on va devoir subir tous ces risques, qu'elles soient les catastrophes naturelles, technologiques, les crises de matières premières, les problématiques d'inflation, ça, tout ça, c'est devant nous. Hein, ça arrive, vitesse grand B, il va falloir qu'on soit très agile et qu'on s'adapte. Ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est pas l'avenir des entreprises et de leur croissance, c'est qu'est-ce qu'elles vont en faire, et le fait aussi que le monde devient bipolaire. C'est qu'il y a... Ce qui m'inquiète un peu plus pour la jeune génération, c'est qu'il y a les jobs un peu plus abstraits, qui sont très bien payés, les gens, dans le sens noble du terme, hein, le côté abstrait, c'est qu'ils arrivent à travailler sur des éléments très complexes, sur des outils très complexes, sur des chiffres, sur de l'analytique. Et puis, les jobs du milieu vont être amenés un peu à disparaître. On parlait d'organisation aplatie, on aura un petit peu moins de management du milieu, et puis à l'extrémité, les petits jobs, quoi, qui augmentent avec l'ubérisation du monde, qui augmentent tous les jours. Donc voilà, je suis plus inquiet de la bipolarisation du monde du travail que les problématiques de croissance. Donc la bipolarisation du monde du travail, il va falloir qu'on s'y attaque d'une manière ou d'une autre, parce que je vois que le système d'éducation en Europe continue d'injecter énormément de profils sur les jobs du milieu qui sont en train de se raréfier, et puis bien sûr les problématiques environnementales. Je rejoins ce qu'ont dit Stanislas et Christopher, c'est quand tout va bien qu'il faut se transformer, parce que c'est là qu'on en a les moyens. Je crois qu'il y avait le patron d'Intel qui avait ce mot à la bouche, et quand tout va bien qu'il faut tout changer. Et la deuxième chose, ça c'est mon expérience de la banque, c'est toujours lors des périodes de croissance que un certain nombre d'entreprises calent. C'est moi qui ai longtemps été, alors je sais que c'est pas du tout ESG, une fan des courses automobiles de Formule 1. Pas très ESG, ça. Pas vraiment. Pas ça. Mais souvenez-vous, quand on est sur la ligne de départ au Mans, c'est les voitures qui calent au démarrage, dès que la course s'en va. Donc c'est un peu ça. C'est que paradoxalement, c'est quand l'économie repart, et elle repart fort, que on a des entreprises qui calent, et pour nous, les banquiers, c'est source de risque. Merci beaucoup. Deuxième question, c'est sur les risques. Est-ce qu'il y a un risque en particulier qui attire votre attention
Donc on a eu le risque pandémique, on parle beaucoup du risque cyber. Est-ce qu'il y a un risque que vous avez dans votre radar en ce moment qui focalise votre intérêt? Non, moi, il n'y a pas un risque. C'est trois risques en même temps. Voilà. Je pense que c'est ce qui nous pend au nez. Une crise sanitaire qui ne finit pas, qui continue, qui s'associe à une crise de matières premières, qui s'amplifie, plus une crise technologique avec, je parlais de réseaux électriques, les réseaux électriques pourraient subir des cyberattaques soit en Europe, soit aux États-Unis. Et voilà. Donc j'ai peur surtout, non pas d'un risque en particulier, mais d'un moment dans les 4-5 prochaines années où trois risques vont arriver en même temps. Voilà, ça c'est plus ce qui m'empêche de dormir. Moi, je par nature, les risques, c'est ce qu'on n'a pas complètement anticipé, ou c'est en tous les cas c'est notre risque. Hein. Je crois que on commence à réaliser que ce nouveau monde digital qu'on a construit de toutes pièces, qui est nouveau, qui est parfois un Far West, qui a plein de faces d'ombre comme le monde réel, puisque ça n'est que l'envers du décor, il est, comme le monde réel, un monde, mais il est très immature, un monde de risques. Et il faut absolument que tout le monde comprenne que de la même façon que voilà, il y a eu pendant des décennies, des siècles, des sujets pour protéger son argent chez soi, etc. Dans un mode immature, le monde du digital, c'est un monde d'attaque. C'est un monde où il y a toutes les problèmes de protection qu'il faut construire, qui sont devant nous, parce qu'encore une fois, c'est un monde nouveau, c'est un monde immature sur beaucoup de sujets, et donc il faut savoir que tout le monde va être attaqué. Voilà. Tout le monde, les entreprises, les particuliers, tout le monde va être attaqué. C'est pas est-ce que vais-je être attaqué, c'est tout le monde va être attaqué à un moment ou à un autre. Donc, il faut se préparer. Voilà. On parlait de risque et de préparation au risque. Voilà. Il faut se préparer, il faut être prêt à subir l'attaque et du coup, à avoir les bonnes réactions. Mais l'attaque, elle sera là à un moment ou à un autre. De plus en plus, les particuliers et toutes les entreprises seront à un moment ou à un autre attaquées. Voilà. Donc, il faut se préparer. Et pour se préparer, j'imagine que vous avez une idée sur qui aller voir pour le faire. En tous les cas, il faut prendre des partenaires très sérieux. Je peux vous donner quelques noms si vous voulez. Christine, une réaction là-dessus ? Dans la banque, on passe notre temps à gérer des risques et à en prendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent dire Stanislas et Christopher. Le risque cyber va devenir un risque important parce que il va pas toucher simplement que des entreprises privées. On voit qu'on a des mairies, on a des infrastructures publiques, on a des hôpitaux qui ont été attaqués et ça devient un vrai risque. Moi, j'ajouterais simplement qu'on a quand même aussi des risques géopolitiques. Il y a des troupes qui se massent du côté de l'Ukraine. Les États-Unis viennent de prendre la décision de renforcer, de doubler leur présence militaire, certes faible, à Taïwan. Donc il y a quand même aussi ces sujets-là qui sont des risques qui remontent, j'allais dire, au fond des temps. Donc le cyber, oui, les nouveaux risques du monde nouveau. Mais n'oublions pas que les vieux risques, la géopolitique, c'est le plus vieux risque qui existe. Et j'espère qu'on aura l'intelligence de continuer à garder un monde de négociations multilatérales parce que ce sujet-là est quand même en train de réémerger un petit peu. Merci beaucoup. Alors pour conclure cet événement, peut-être une dernière question un peu plus personnelle. On parle de l'accélération, de beaucoup de choses qui bougent. En tant que dirigeant, vous avez besoin de, en permanence, rester connecté avec ces transformations et ces changements. Est-ce que vous avez des recettes ? Est-ce que vous avez des routines ? Est-ce que vous avez des petits secrets à nous livrer sur comment vous faites pour rester en permanence connecté sur ce qui se passe dans le monde ? Christopher, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure en parlant des retraites que vous avez organisées. Pour être toujours à l'avant-garde de ce que le monde va nous produire.
Stanislas. Je ne sais pas si j'ai une recette parfaite. Hein. C'est nos enfants qui sont nos coachs en start-up, par exemple. Hein. Moi, j'ai des enfants dans les start-up, donc c'est une source, ces startups, c'est une source d'inspiration incroyable parce que en fait c'est prodigieux ce que l'intelligence humaine et collective produit comme innovation dans un monde où l'innovation est effectivement facilitée. Et je pense qu'on est dans ce monde-là. Après, moi, je suis en permanence en recherche de lecture et de finalement d'idées à travers les sites qui produisent de la réflexion sur les modèles économiques, sur les évolutions, sur les évolutions technologiques. Chez Devoti, on a la chance d'avoir une sur la technologie en tous les cas des experts de très haut niveau, donc c'est passionnant de dialoguer avec eux. Donc je crois que ça demande malgré tout un effort permanent de recherche de data et de nouvelles idées qui émergent, et il y a de plus en plus d'outils pour les capter, mais c'est la lecture. C'est un peu tout ça. Moi, je suis curieuse par nature, donc je m'intéresse à un peu tout. C'est aussi des gens et des entreprises comme vous, hein, des entreprises de conseil, parce que vous avez souvent d'ailleurs des jeunes. Vous avez l'expérience de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de pays. Donc, c'est aussi important, votre apport. J'osais pas le dire. Merci. Ouais, ben, un petit mot de mon côté, l'audace parce que on a besoin d'audacieux. Aujourd'hui, on est là dans la réinvention du logiciel. Il faut changer beaucoup de paradigmes et on se bat parfois contre un système. Donc il faut beaucoup d'audace. Donc il n'y a pas de recette particulière, mais se forger une conviction, forger une voix inspirante pour tout le monde, et puis une bonne gestion de l'agenda. Parce que il faut savoir semer des graines pour qu'elles maturent un peu plus tard. Et si je peux donner juste une petite recommandation, lisez le livre Les Transformations silencieuses de François Julien, philosophe français sinologue, qui explique justement très très bien la vision occidentale du monde. Notamment à travers les yeux des Européens et des Américains qui étaient toujours objectifs, action, résultat, en étant très très court, et la logique chinoise. Et dans tous les cas, la transformation, elle est permanente, elle est silencieuse, c'est comme une rivière qui coule. Vous aurez des obstacles, à vous de vous adapter. Voilà, et je trouve que ce petit livre philosophique est tout à fait dans l'air du temps. Et les voyages quand même. Il faut voyager, quand c'est possible. On pouvait difficilement mieux conclure, donc merci à tous les trois pour votre temps, pour la profondeur de vos réflexions ce matin, qui ont été très éclairantes. Merci à tous ceux qui sont de l'autre côté du Zoom pour votre attention et pour vos questions. On espère organiser un événement similaire dans les mois qui viennent avec d'autres dirigeants pour d'autres échanges sur ce thème qui n'a pas fini d'être clé pour nos entreprises et nos sociétés, qui est la transformation. Merci à tous et très bonne journée.